Manipura, c'est un chakra dans le bouddhisme qui représente les sensations, les émotions, tout ça. Et voilà, avec qui je suis, bah, je suis fabricant de surf, j'ai commencé en 82. J'ai voyagé et quand je suis rentré de Tahiti, en fait, j'ai travaillé dans un surf shop ici. Là, les vagues sont arrivées à la fin de la saison, en fin septembre, ça commençait à rentrer, il me fallait une planche. J'ai commandé du matos, je m'en suis fabriqué une, le copain il en a voulu une, après d'autres copains et ainsi de suite. Et depuis donc 22 ans maintenant, bah, c'est Manipura. Et on s'amuse avec. J'ai des paroles, j'ai la musique. Ça fait un tout vraiment magnifique, même adulcine et m'ayant planté là, c'est à moi que chante tout ça. Moi, mon parcours, il est assez simple. Je suis passé dans les Landes pour passer mon BE il y a quelques années déjà. Puis un jour, Nico, il me contacte pour faire un stage de surf sur la Ciotat. Et il m'a dit, est-ce que ça te dit de t'occuper du club? Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc on essaye de dire aux garçons de surfer entre eux, sur des spots où il n'y a pas trop de monde, pour pouvoir se faire plaisir entre copains. What's a game? Chance to use him as one. With real skill, so glad to meet you, Angela. Picking up the ticket shows there's money to be made. Go on, lose the gamble, that's the history of the trade. That you add up all the cards left to play. Alors enseigner le surf en Méditerranée, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes vagues que dans les Landes. Donc il faut savoir déjà comment la vague en Méditerranée déroule, comment elle fonctionne, comment elle vit. Donc il faut adapter un petit peu son enseignement à l'environnement dans lequel on évolue. La Méditerranée peut réserver quelques bonnes surprises en matière de vagues, mais pour l'enseignement, pour les enfants, c'est vraiment idéal. Après, je pense que chacun des moniteurs, des enseignants, rajoute un petit peu sa touche personnelle, son vécu, son expérience, son implication, son amour de l'activité, sa passion avec les enfants. Ce qui me manque, c'est de ne pas pouvoir aller tout le temps voir les cours de surf du club. Parce que j'ai du boulot à ce moment-là, mais de voir les gamins dans l'eau et puis la transmission, c'est énorme, c'est énorme. Ce qu'il fait Joe dans l'eau avec les gamins, voilà, c'est fabuleux. Tu vois les sourires des minots, voilà. Pour l'instant, écoute, tout va bien, on se rend la pêche. Voilà. Donc voilà, on arrive à en vivre, on est heureux. Donc pour l'instant, tout va bien, pour toi c'est pareil. J'imagine, donc après on verra plus tard, mais pour l'instant, à refaire, on refait.